Je représente des gouvernements qui dirigent 7,3 milliards de personnes. Et comme n'importe quel gouvernement, on ne veut pas qu'il y ait trop de résistance. Alors on pense abrutissement de masse. Télépoubelles plutôt que des émissions intelligentes, course à la consommation, coupures dans les budgets scolaires, tout pour abrutir les jeunes. C'est la clientèle parfaite, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est plus facile de manipuler une personne dès sa naissance. Imposer des idées, c'est pas si simple. Les affaires, c'est les affaires.